Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Vlogmas numéro 19. Nous sommes le lundi 19 décembre, il est 9h et je vais ouvrir le calendrier de l'Avent l'Occitane. Ça y est, ça approche, on arrive près de Noël, il reste plus que 6 jours. C'est dingue de se dire qu'à la fin de la semaine, là, je serai avec ma famille pour fêter Noël, ça va vraiment être cool. J'ai trop hâte, mais aussi je sais que une fois qu'on y sera, ça va passer à une vitesse folle et on n'aura plus que les souvenirs en fait déjà. Donc je vais essayer de profiter de cette dernière semaine avant Noël. Surtout qu'il va se passer pas mal de choses. Ce soir, il n'y a rien, mais demain, on a une petite encore réunion blogueur bordelais. Blogueur youtubeur bordelais. Mercredi, normalement, on va voir Assassin's Creed. Yeah, j'ai trop hâte. Jeudi, on a un petit jeu avec d'autres youtubeurs aussi qu'on va faire. Et vendredi, on part chez mon frère pour fêter Noël. Voilà, donc autant vous dire qu'il va se passer plein de choses. Tous les soirs quasiment sont occupés, ça va passer très vite. Mais bon, je vais profiter de chaque instant. Sauf peut-être du travail, bien sûr. Parce que voilà, j'ai pas envie de profiter des instants du travail. Sur ce, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent l'Occitane. Le 19 est ici. Ah, il est à côté du truc que j'ai complètement broyé là. Donc je vais essayer de l'ouvrir correctement. C'est bon. Alors, est-ce une crème pour les mains encore? Oui, c'est une crème pour les mains. Peau sèche au karité. Enfin, à 20% de karité pour les mains sèches. Voilà pour le calendrier de l'Avent. Il fait pas beau du tout aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il fait limite encore nuit. C'est incroyable. Et il va faire ultra froid. J'ai regardé les températures. Aujourd'hui, il fait entre 0 et 7 degrés. Voilà, voilà. Ça va être vraiment sympa. Je pense que je vais avoir un peu froid au travail. Mais bon, parce qu'on a un petit problème de chauffage des fois. Mais bon, ça va le faire. Au pire, j'aurai un manteau, hein, tant pis. Allez, je vais ranger ma petite crème. Je vais dire au revoir à Grégoire. Et je vais y aller. Re tout le monde, donc il est actuellement 19h40. Je suis rentrée du travail, donc je vous rassure, je viens pas de rentrer. Hein. J'ai dû rentrer il y a genre peut-être, je sais pas, 20 minutes. Mais on comparait nos parcs Disney avec Grégoire parce qu'il s'est lancé dans le jeu. Et du coup, comme il vient de commencer, son parc est petit et voilà, je comparais un peu avec le mien. Du coup, il me demandait ouais, tel personnage, je vais l'avoir quand et tout. Bref, voilà pour ça. Cette soirée va être relativement calme. C'est la seule soirée de la semaine où moi j'ai rien. Grégoire a quelque chose parce qu'il va aller se faire couper les cheveux par un ami coiffeur. Mais moi pour le coup j'ai trop de travail, du coup je vais rester à la maison. Je vais monter, je vais commencer à monter le vlog que vous regardez là pour pouvoir aller plus vite en fait, pour le finir quand je le finirai quoi. Et je vais aussi regarder peut-être la Reine des Neiges en attendant qu'il rentre. Voilà, ou non, mieux, je vais peut-être m'avancer dans mes séries parce qu'au final, la Reine des Neiges, j'ai déjà vu. Donc, je vais peut-être m'avancer dans mes séries, ce serait bien. Et on se rapproche de plus en plus de Noël, je suis trop contente, j'ai trop hâte de retrouver toute ma famille et tout et de fêter Noël. Ça va être trop bien. Et il faut que je regarde, bah oui, il faut que je regarde vos commentaires aussi parce que mon vlog est sorti du coup. Alors. T'es moche, casse-toi. Ah oui, à la meuf pendant le live, ou le mec d'ailleurs, se trouve, c'était pas une fille. Quand on a fait le live la dernière fois, il y avait une personne qui, genre, toutes les 30 secondes écrivait T'es moche, pourquoi t'es moche? T'es moche, pourquoi t'es moche? J'ai envie de te dire, la vie m'a faite comme ça. Bon, ils vous ont plu, enfin, il vous a plu apparemment, donc c'est cool. Il y a une personne qui me dit que qu'elle avait atmosphère et qu'elle jouait sur cassette. C'est assez marrant, c'est Sandra qui dit ça, donc c'est oui, Atmosphere n'est pas un jeu très récent. Ah oui, et dans le vlog, vous demandez mon avis sur Miss France. Alors moi, personnellement, Miss France, je voulais que ce soit Miss Languedoc Roussillon, et Grégoire était d'accord avec moi. Quand on a su que c'était Miss Gunn, on était un peu genre, ah bon? Après, elle est très jolie, hein. Franchement, elle est vraiment très jolie. Ce qui nous a fait rire, c'est sa réponse à la question quel vœu, si vous aviez la possibilité de réaliser un vœu, qu'est-ce que ce serait? On s'attendait forcément à ce qu'elles disent comme toutes les Miss France, la paix dans le monde, que la faim dans le monde n'existe plus, que tout le monde vive heureux, comme dans un conte de fées. Et non, la nana, elle sort, alors j'ai tellement de vœux, je voudrais être mannequin célèbre. De renommée mondiale. Signer des contrats avec des grandes marques. Enfin, qu'on me reconnaisse mon talent et ma beauté.
Bon, pour le coup, je pense qu'elle va réaliser son rêve, hein, tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que c'était assez inattendu pour le coup. On n'a pas l'habitude que les Miss France disent ça. Bon, après, voilà, elle est très jolie, elle a 18 ans, elle est toute jeune, donc bon. Ça faisait un peu égoïste sur le coup, mais au final, on vit pour soi, hein, quand même. Donc bon, tant mieux si elle réalise son rêve. Je pense que du coup, ça, c'est bien parti. Et puis, vu comment elle est belle, je pense que ça ne peut que fonctionner pour elle, à mon avis. On trouvait qu'elle avait des airs de Rihanna, d'ailleurs. À chaque fois qu'on la voyait, on disait « Ah, Rihanna !» Elle a des beaux yeux verts et tout. Non, franchement, elle est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est juste cette petite réponse qui nous a un peu mis sur le cul, en mode « Ok, meuf, c'est pas grave. » Mais bon. Mais c'est une des années où on a trouvé à Grégoire que c'était pas fou, quoi, le casting des Miss France. Après, je dis pas ça en mode « Miss France, elles sont trop moches et tout. » C'était pas ça, mais c'est que... Enfin, tous les ans, on se dit toujours « Il est pas fou, le casting des Miss France. » Mais bon, après, voilà, c'est... question de goût, hein, je pense. J'ai vu qu'il y en a qui disaient au contraire que le casting cette année était très bon et que voilà. Donc voilà, c'est une question de goût et de préférence, tout simplement. Grégoire, fais ta manger. Tu fais quoi, mon amour? Des croustibates. Des croustibates. Avec des pâtes. Ah bon? Oui. Bah, ça se mange pas avec des pâtes, ça se mange avec du riz. Bon, du coup, Grégoire fait à manger. Qu'est-ce qu'on mange, mon amour? On mange du steak et des pâtes. Voilà. Et il y a Ivy qui surveille les opérations. Touche pas, vas-y. Dis-moi. Ce rebelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est toi qui sens bon. La dernière fois, j'ai vu un commentaire qui m'a fait trop rire, c'était... Il n'y a pas de vrai vlogmas sans Evie ou un truc comme ça. Un vlogmas ne serait pas un vlogmas sans Evie. Bah voilà. On essaye de la filmer du coup, vu qu'apparemment vous aimez bien la voir. Et voilà. Petit repas très simple du soir. Coquillettes, steak. On fait avec les restes qu'on a. Voilà, il est temps de faire les courses. Comme on mange tous les trucs qui sont un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, on les mange tout le monde en premier. Et bien au final, à la fin, il reste rien. Voilà, il reste les pâtes et le steak. Alors, il est 21h21, pile. Et je suis toujours en train de monter la vidéo pour mercredi, qui me prend un peu de temps, mais j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je croise les doigts. C'est la première fois que je fais ça. Et voilà, j'ai essayé de faire les choses bien et j'espère que ça vous plaira. Et j'ai un peu la pression, je vous avoue, quand même. Donc Grégoire n'est toujours pas rentré, il se fait couper les cheveux. Et en même temps, je regarde 30 histoires extraordinaires. Il est 22h09 et je viens de finir le montage de la vidéo de mercredi. Donc je suis trop contente, j'aime bien le rendu. J'espère que vous arriverez à bien suivre les explications, etc. Je croise les doigts, je pense que ça devrait le faire, mais je détaillerai peut-être en barre d'infos quelques trucs. Peut-être pour vraiment enrichir au pire si besoin. Bon, faut encore que je fasse la miniature, etc. Je vais demander à Grégoire de repasser dessus quand même parce que je pense qu'il y a un peu d'étalonnage à faire. Il est 22h45 et je viens de finir le montage du vlog, du moins jusqu'à ce que vous regardez là. Et en allant sur Twitter, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient d'un attentat à Berlin. Et du coup, je suis sur BFM TV et je viens de voir qu'il y a un camion en fait qui a foncé dans un marché de Noël à Berlin. Donc pour l'instant, je sais pas si il parle de la piste terroriste ou pas, mais enfin j'en serais pas surprise. Donc c'est, je sais pas si d'un côté ça devient banalisé et au final on sort dans la rue en se disant que bah ouais, peut-être qu'on va mourir. Enfin c'est vraiment bizarre en fait l'atmosphère qu'il y a maintenant, parce que depuis les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et du 14 juillet, en fait, c'est comme si on savait qu'il allait se passer un truc vers la période de Noël, mais qu'on savait pas où. Et là, en l'occurrence, c'est à Berlin, et même si ça s'est passé à Berlin, on peut pas... Enfin, ça peut très bien se passer à nouveau à Paris, ou à Bordeaux, ou à Toulouse, ou dans n'importe quelle ville de France. J'ai l'impression que maintenant, on vit en se disant que de toute façon... on rentrera peut-être pas chez nous le soir, quoi. C'est assez bizarre comme sentiment. En tout cas,
Il y a 9 morts et 50 blessés apparemment. En tout cas, Grégoire n'est toujours pas rentré de sa coupe de cheveux. Je sais pas ce qu'il fait là. Je vais juste aller me démaquiller, me mettre en pyjama, tout ça pour me préparer à me coucher parce que j'aimerais bien me coucher vers 22h30. Parce que ce matin le réveil était un peu compliqué, ça devient difficile le matin de se lever là, c'est... Mais je vais avoir besoin du lavabo, poupette, hein. Bah oui. Alors il est 23h40, je voulais me coucher à 23h30, donc c'est raté. Grégoire est rentré, il a sa nouvelle coupe de cheveux, il est content. Et il est complètement accro à Disney Magic Kingdom. Tu montes ta nouvelle coupe, mon amour ? Non. Pourquoi ? C'est secret. C'est secret ? Ils le verront demain. Ah, bon ben voilà. Vous n'avez pas le droit de le voir avant. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que ce vlog vous a plu, malgré les mauvaises nouvelles qui sont arrivées dedans. Et je vous dis à bientôt, je vous dis à demain en fait, pour une nouvelle vidéo et pour le Vlogmas numéro 20. On rentre dans la vingtaine, ça y est, de décembre, Noël approche à grands pas. Voilà, à demain, ciao.